Hey, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais la gueule? Je viens de fissurer mon collecteur là, après une grosse rupture et un putain de travers. Tu vois, collecteur fissuré. Putain. Et voilà quoi, c'est On ça. va faire quoi là? Bah, je sais pas, on va pousser, ça va faire le Ah, gainage. C'est quoi nique ce sa bruit? mère. Narvalo là. Il a dit quoi? Carbu? Carbu, je sais pas. Moi, il a pas traité ma mère. Je crois il a dit que c'était de la merde la moto. Il a peut-être pas tort. Hein. Il est parti fort avec ce truc. Un petit peu, ouais. Il m'a fait des frissons dans le fion un peu. En vrai, moi. Hein? Non, fais pas la gueule. Salut les gens! Salut Nicolas! Salut Andréa! Ça va? Abdullah! Abdullah! Putain, il nous a agressé le gars! Ah, pardon, c'est arrivé qu'il a. Putain, mais il nous a. Non, c'est le petit côté foufou, faut assumer! Ah, il est chaud! Elle est belle ta machine! Ah, merci! Nicolas est venu nous présenter son sport de l'enfer! Parce qu'il fait vraiment un enfer! C'est un démon! Ouais, avec le casque, ça va! Faut un casque, faut tout. Bon alors, parle-nous de la teigne, voilà. Sportster de 91. 91. Tout d'origine. Ouais. Dans son jus. Dans le jus, regarde. Presque, ouais. Dans du vrai jus. Tiens. C'est tout chaud ça, ça c'est le reniflard. Ouais, ça renifle bien comme il faut. Vraiment acheté d'occasion, en grosse partie, pas mal modifié. On l'avait remarqué. Hein. Et puis derrière, ouais. Puis derrière j'ai remis ma sauce. Ma sauce cocktail. Ouais, c'est ça. Sauce pimentée. Qu'est-ce qu'il y a que, côté moteur, tu m'as dit tout d'origine, mais je vois des choses qui n'ont pas l'air d'être d'origine. Non, ouais, c'est cardu Super E, je crois. Super G. Super G. Super G, ouais, SNS. SNS. Ouais. Avec le filtre qui va bien. Ouais. Petite découpe personnelle. Ouais, c'est ça que je me disais tout afin à l'heure. Que mieux il respire. Il respire il à pas plein de souffle. Ouais. Il est pas asthmatique. Pas comme moi. Il ne fume guère. Il ne fume guère. Non, sinon c'est tout niveau moteur. Au moteur, c'est tout. Ouais. T'as juste brossé le tout, j'ai l'impression. Ouais, en fait, bah c'était. Elle est pas toute récente, donc c'était un peu patiné, on va dire. Ouais. Et je l'ai brossé, j'aimais bien l'effet. Du coup, je l'ai fait sur les carters et c'est tout. J'ai refait la peinture aussi au niveau des ailettes parce que ça s'est caillé. Ouais. C'est pas. La bobine, elle doit aller déporter. Ouais, bah, elle était là, ouais, elle est déportée. J'en ai remis une neuve histoire d'eux. Ouais, c'est une folie ça, les gens. J'ai essayé, c'est inconduisible. C'est pour le côté plus pratique. T'as des crampes là. Ouf. Non. Dans le dos du pouce, sur la colonne vertébrale du pouce. J'ai un orteil qui est large comme ça. Faut dégueulasse. Coquet. Tu sais, le pied de le gars dans Brise de Nice, qui a juste un orteil. Je partirai mes chaussures, mais je vous jure que c'est ça. Donc, ouais, j'adore la finition du moteur. Comme je l'avais déjà dit, j'aime bien quand il y a plusieurs ouais, strates. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je voulais pas qu'il soit tout noir, il y a déjà tout le cadre et tout. Donc après, ça aurait fait trop sombre. Juste les ailettes qui d'origine sont en aluminium aussi. Qu'est-ce que je vois d'autre à côté petit décapsuleur. Décapsuleur qui est là. Ouais, voilà. On n'a pas pris de bière, t'as pensé aux bières? Ben non, mais j'ai pas pu moi en prendre. Hein. Est-ce que vous avez vu le détail de la peinture du casque? La sortie à la peinture de ce réservoir. Ce réservoir est magnifique. J'adore. C'est un bon look Japan style comme on les aime. Ouais. Très fin. Comme un cycle. Ah oui, c'est ça. C'est... En dessous, c'est la trottinette. C'est ça. Donc 1200. Ouais. Ouais, 1200. J'ai refait tout le faisceau. Ouais. Histoire d'avoir un minimum de clignotants, un minimum de feu, de phare. Clignotants, t'as vu le son? Un petit compteur et voilà. Ça, c'est cool. Ouais, j'ai le doigt dégueulasse. Hier, j'ai changé le pneu de la jeune folle derrière. Ah, c'est joli, hein. Normalement,
Ça fonctionne. Joli, hein. Non, c'est bien. Côté confort, je vois que tu t'en bats les couilles. J'ai refait la selle. C'est en peau de belle maman, c'est elle qui l'a refait. J'aime bien la couture bien alignée, tu vois. Genre, tu sens qu'elle était sur la fin. Il se moque de belle maman là. Non, c'est bien aligné. Ouais, hein, non, c'est. Elle est très belle là. J'adore. Il y a une petite plaque de gel. C'est vrai. Amortisseur de cheval, ils appellent ça là, d'équitation. Moi, j'aime bien soigner mon fion. J'en ai ras le cul. Non, pour de vrai, non, c'est le moteur, il tape, ça secoue, c'est raide. C'est ma cam à 100% cette bécane. Ouais, donc côté confort. J'ai rien fait pour le confort. La conduite, la position de conduite, elle est géniale. Moi j'adore. T'es pas comme ça, genre t'as l'épaule qui brûle au bout de 20 bornes. Et t'as pas qu'à avancer. T'es assis, t'es vraiment posé. T'es posé. Tu peux même. Un café, hein, tu le poses dans le. Tu doubles les gens comme ça sur autoroute. Salut. Elle est bien, avec une bonne couronne. Gros freinage, tu te refais tous les chicots si t'es en tête. T'es de ham. Ça va, c'est le freinage d'origine pour le coup. T'oublies tout avant la chute. Ouais, donc burly à l'arrière, donc bien. Ouais, bien tassé. Ouais, bah, c'est toujours pareil, c'est. Ouais, c'est tout que de l'esthétique. C'est ouais. le confort. L'esthétique, il n'y a plus rien d'origine. Non, il n'y a plus grand chose. Il n'y a que le cadre. Cadre ouais, le cadre de la fourche, mais ils ont subi des grosses modifs. Là, il y a tout le Neyman, le. Tout ça, ça le s'est contacteur barré. Et tout. Là, il y a tout qui a été bouché à la soudure. Et pareil sur les fourreaux, là, il n'y a plus les fixations de garde-boue. C'est lisse. Ouais, c'est lisse. Minimaliste au maximum. Ah, elle est de devant, j'adore. Ouais, très étroite. Les câbles, ils sont assez invisibles, ils passent très bien. J'adore ça là, cette tresse là, elle fait tout. On dirait que t'as un Black Mamba qui te grimpe dessus. Non. Le feu il est jaune. Ou il est ça je crois qu'il est jaune. Il est jaune ou blanc, il est clair. Ah j'adore. Ouais, il est un peu teinté. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est dans tout l'H4. Hein, ça doit faire, Ce que j'aime, c'est est-ce que t'as vu quand t'es en face. Je sais pas, j'ai coupé le contact. C'est ce que j'ai fait. Elle est vivante. Le contact, on dirait qu'il y a un compresseur sur le côté. Elle a eu peur. T'as vu la. La hauteur. Non, mais quand t'es de face, tu vois la couronne. C'est pile. Tu vois que ça. Ah. Ouais, c'est super joli. Ouais, esthétiquement, elle est très réussie. J'aime bien, il y a un gros. Les mélanges de couleurs, les contrastes comme ça. C'est ouais, j'ai essayé de tout faire sur le même la bande thermique. Dans les dorés. L'échappement c'est un. Hey! C'était des esquives à la matinée tout à l'heure sur les bébés. Non, l'échappement c'est du tube de plombier ou un truc dans le genre. C'est creux. Ouais, t'inquiète pas, on a vu que c'était creux. Tu me dis quoi, c'est creux? Non, c'est vrai? Je pense que ça ne drague pas. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est que t'es arrivé super fort, qu'on leur a pas dit qu'il y avait Michel qui était avec nous, qui dormait. Ouais, ouais. Mais il a levé la tête. Il a levé la tête. Je sais pas, je te demande. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un cadavre. On va vérifier tout à l'heure. On a vérifié, il est bien vivant. Mets un coup de gaz, on va voir. Une canette. Ça devait être notre ingénieur son, mais bon. Il s'est parmi de l'excès. C'est juste un génie. Attends. Elle doit bien glisser aussi, ta moto. Le freinage, c'est un freinage d'origine, donc j'arrive à faire glisser. Bonjour. C'est ta vieille mécanique, ça. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est route. Ça, c'est route. Ouais, comme on aime. Au Cap d'Agde, il y en a beaucoup, des trucs comme ça. Au Cap d'Agde ? Ouais. Ils en sont tous nus. Ils s'en foutent là-bas, même si. C'est pas parce qu'ils sont. Ils voient pas le pomme échappement, c'est déjà ça. Mais là-bas, tous les ans, il y a le bref d'eau, c'est le Cap d'Agde. Ouais. Il y a toute la Harley qui descend, il y a à peu près 4000 motos. Hein. C'est pas chiant. Mal. Hein. Moi, j'en ai qu'une. 4000, ça fait beaucoup. Ouais, c'est un grand garage. Hein. Parler, ouais. Ouais. Quand ils sont assis, c'est confortable. Ouais, c'est des routières.
Ça, c'est ce qu'on disait, celle-là. Bonne suspension. Là, c'est exactement ça. Ça, c'est pour aller. Maximum. Mais dis-moi Orly, c'est parce que je peux faire le plein sur place. Mais quand j'ai vu les courroies qui arrivaient dessus, j'ai dit putain, mais ça va tenir longtemps ça. Ouais, ça tient. Là, ça tient, ouais, ça tient. Ouais, ça tient. Par rapport au jet, une courroie comme ça fait jusqu'à 80 000 km. Tous les 3 000, il y a trop l'air. Ah non, 80. 80, en une fois, ouais. Mais moi, j'ai fait quand même. En fait, 60 000 km, j'ai changé 3 chevaux. Ouais, il y a que le bonhomme qui vieillit maintenant. Ouais. Ça, j'y peux rien, mais l'apéro, il y a pour quelque chose. Ah ouais. Allez, ouais, c'est à bientôt, c'est bonne journée, monsieur. Ciao. Bonne journée. Merci. Faut parler. Ouais, ils sont cool, les gens, ils s'arrêtent, tu vois, à chaque fois. Ouais. Social. Ouais, t'es où? Elle faisait du bruit, je crois. Ouais. Non, parlons du pneu. Alors, on parlait du pneu. Ouais. Petite maintenant, écriture. C'est, ouais. Devant, c'est Avon, on dirait. Ouais, Avon Speedmaster. Speedmaster à l'avant et à l'arrière des. Du Shinko bien glissant. Ouais, ils appellent ça. Blanc. C'est très beau, mais si vous faites de la route ou si vous roulez par temps humide. Putain, il y a un soleil perçant. Il me fait. De l'ombre. Je sue dans la casquette. Moi, ça va. J'aimerais bien avoir une bouteille d'eau, en fait. Putain, t'as pas pensé à des bières, des... Mais non, mais c'est Michel qui devait s'en occuper. Ah putain, il est con, Michel. On a tous un Michel. tu comptes faire des trucs dessus ou tu veux aller pour toi, elle est finie, elle est... En fait, tout de suite, je te dirais qu'elle est finie. Ouais. Mais c'est jamais fini, je sais. Je me connais cet hiver, je vais pas rouler. Et je vais repartir sur des... Ouais, je sais pas encore, peut-être... Ouais, ce que je disais, peut-être un 1250 SNS. Ok, d'accord. Ouais. Il est chaud comme jamais. Peut-être, et je sais qu'après, si je commence ça, je vais changer les cams. Et là, ça va partir en couille. Donc, après, comme j'ai envie qu'elle reste cool et. Elle sera et gentille, tout cool. Et gentille à rouler, on va dire. Ouais, non, c'est ça, faut pas que ça parte dans le trop brutal. Donc, je sais pas, non, peut-être. Ouais, peut-être un filtre à air un peu plus petit pour qu'on voit plus le moteur ou... Ouais, filtre à air, ça peut être, ouais. Ouais, un truc un peu... genre un cône ou... Moi, après, j'adore ce filtre à air. J'adore le SNS, la goutte comme ça. Il cache tout. C'est vrai que quand on aime voir les tubus et tout... Ils font le modèle plus petit, c'est la même forme, mais en plus petit. Peut-être partir sur ça. Non, je sais, franchement, je sais pas. Non, c'est une bonne machine. Non, en tout cas, elle est... Ouais. Bon, et cette petite inscription sur le pneu. C'est marqué quoi? Oh yes. C'est pas bilingue. Il n'y a pas une traduction? Si, elle est l'autre côté pour les non... Les non anglophones. Les non, ah, non bah, bilingue. Voilà. Ouais. Touche mon gros pneu. Ah oui. Ouais, bon, j'assume. Hein. Bah, voilà. Je sais pas. Un truc que j'aime en roulant, ça se voit pas. J'adore ça. Le cache-batterie percé comme ça. En fait, c'est le genre de moto, tu vois. Quand elle est garée, tu vois l'aspect général. Tu vois, tu te dis c'est un shop, un truc comme ça. Plein de petits trucs un peu. Et après, moi, ce que je kiffe, c'est. Tu pars de là et t'avances et tu vois plein de détails. Comme, tu vois, ça là, par exemple, les feux. Les feux incorporés. Ouais. Tu vois, les petits détails en laiton comme ça percé. La trappe cool. Ouais, c'est vrai, t'as gratté là. Non, ouais, t'as essayé de te gratter une couille. T'es assis un peu plus loin et quand c'est ouvert, c'est baissé. Donc c'est étudié. Tu vois, c'est fait sérieusement. Ouais, petite gaine. Ah merde, je suis au turbo. Ah, ça y est, je sais plus combien me reste d'essence. Ah merde. Voilà, je vais tomber en panne, c'est sûr. Donc là, vous avez le carbu avec la petite molette de ralenti ici. Tu règles le ralenti. Le bâtard, il dévisse à fond. Tu te démerdes. Ouais, bah ça, c'est bah, comme tu disais, hein, c'est du carbu. Là, c'est le starter. Ouais, c'est ça. Starter. Ça, j'adore, je le redis. De chaque côté. Ouais, de chaque côté, c'est super, j'adore. C'est une petite une gaine comme ça là qui sort tressée à via pour l'essence. Tout est tressé, non, la finition, elle est. Moi j'aime beaucoup, elle est dingue. Elle est roots, mais en même temps elle est bien finie. Ouais, j'ai pas. C'est une moto que. Ouais, tu vois, moi j'aime bien modifier mes motos, mais
je serais capable de l'acheter telle quelle pour la rouler telle quelle. Ouais. Je la trouve, ouais, je la trouve belle, il n'y a rien à refaire dessus. Je la... Ouais, c'est cool. Non, elle est très réussie. Je voudrais peut-être une chaîne. Parce que j'aime bien avoir une chaîne sur les vieilles versions. J'aime bien entendre le bruit de la chaîne d'un vélo, tu sais, quand tu la ranges, le petit, là. J'adore. Ah, moi, pas du tout. Tu vois, justement, je trouve que c'est encore un truc qui change, en fait. La courroie, il n'y en a pas partout. Et... Ouais, non, moi, je préfère la courroie. Ouais. Encore ce côté, je suis pas comme les autres. Ah. Ouais. Est-ce que tu as vu ça? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Milwaukee, bière Milwaukee. Ah ouais, t'arrives à l'avoir? Ouais, je l'ai là. Wisconsin Milwaukee. Putain, t'as un accent dégueulasse. Moi. Ouais, mais qu'est-ce que... Ouais, tu te fais embêter? Tu t'es déjà fait embêter avec cette moto? Par la marée chausse? Ouais, je l'ai acheté il y a un an, j'ai tout fait dessus. J'ai pas encore beaucoup roulé. Ouais, on n'a pas parlé la plupart du temps, ça passe. Ouais, ça passe. Elle est belle, tu sais, elle attire l'œil. Elle est vraiment belle. La peinture du réservoir, elle est super belle. Raph Rider Design, c'est lui qui me l'a fait. Il est à Valence. Voilà, petit big up. Ouais, faut envoyer les pièces, mais. Tu roules, t'es deux. Ouais, 95, 78. Là-bas vous voulez. Ouais, pas comme nous à la Fitri. On est toujours dans l'esquive, tu vois, de remonter. Ah ouais, c'est sportif, c'est bien ça. Remonter de Rome, de Clodo, les grandes. C'est le côté route sans avec la moto, hein, c'est ça. Hein. Moi j'aime pas la campagne, j'aime bien remonter une petite file, taper un rétro ou deux, faire un watt, deux watts. Une route en pavé. C'est ça. Là on est bien. Ouais, elle est cool. Bon, on valide grave, hein. Ouais, on valide grave. Ouais, parfait. Moi, je valide. Donc voilà, c'était un nouveau format qu'on fait sur notre chaîne. Vous pouvez venir présenter vos motos. Là, bah, lui, il a mis la barre très haute avec un super beau sport. Il est vraiment beau. Et, ouais, on a des belles. Sur les forums, il y a des mecs qui font des trucs. Ouais, ouais, non, il y a des belles bécanes. Ouais. Soyez pas timides, montrez-les aux gens. Non, elle est vraiment belle. Le bec de canard derrière, comme ça, là. Coin, coin. D'ailleurs, attends, tiens, donne, c'est ce qu'on va faire. On va voir ta face. Dis bonjour. Salut Julien. Ouais, il est chaud, Julien. Ah, il fait chaud. Ah, ouais, je refais un petit coup de pub. Dis-moi. La passagère tient à l'arrière. C'est vrai? On peut se promener à deux. Il y a les cale-pieds. Petit cul, par contre. Ouais, petit 30, cul. 35 cm. 20-25 ans. J'aime bien les cale-pieds comme ils sont droits. Mais ça passe. Tu vois, comme... Un peu comme... Mais ouais, c'est... Ah, c'est rudimentaire encore. Non, j'aime bien. Ils sont beaux, hein. Mais ouais, non, ça passe. Après, bon, c'est du court trajet, hein, c'est du dépannage. Ouais. Parce que là, si je me mets derrière... Là... Ah, t'as aimé ça. Ah là là. J'ai envie de te raser la nuque, ma couille. Ça va? T'as une nuque, là? Ça te plaît ça? Ça c'est ta cam. Ah, on est bien. Ça c'est la cam, Julien. Dis le turc, le kebab. Alias la Grèce antique. J'essaie. Je lui l'avais pas montré ta moto parce que je le connais. Je savais que. Ouais, je lui ai fait une surprise. Et je sais que là depuis tout à l'heure il réfléchit. Kiff. Non, mais franchement, c'est exactement. C'est exactement ta cam. Donc voilà les amis, je vous disais que c'était un petit format, tu reveux. Ouais, allez. Donc je disais voilà, si vous voulez venir présenter vos motos sur la chaîne. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Et merci à toi. Bah de rien, merci à toi. C'est toi qui m'invite. On va aller boire une petite bière. Un accessoire à décapsuler, c'est tout. Ouais, c'est une vrai, excuse. C'est la classe quand même. Ça même. T'imagines, tu roules, t'es comme ça, sur une bière pour sac à dos, clac, comme ça, il... Tu la poses dans le petit godet du réservoir. Le gars, c'est rare en plus, c'est une petite paille, là. Il roule sur le côté comme ça, il sait pas qu'il y a un décapsuleur, tu sais, tu roules comme ça, tu vois sortir une grande DSP d'1 mètre, tu vois, comme ça, tel un samouraï de la DSP, et il doit faire
clac, il se dit putain, il a accéléré. Il foutu dans le fion, quoi. C'est ça. Il a, tu sais, il a rentré dans le jean, il a tourné. Ah, on se rend bien comme il faut. C'est un effet d'optique, ouais, c'est ça. J'ai envie d'essayer de le faire, juste pour le kiff. Ah ouais, non, mais ça marche, hein. j'ai déjà essayé. Ouais. Ah, c'est cool. Merci à toi, je te dis. Merci. Rentre bien. Ouais, ça va bien se passer. Hein. Faut que je remette un peu d'essence quand même. Je l'ai vu partir, je l'ai vu rouler, il roule quand même comme un assassin le mec. Ouais. Avec le chicot à l'arrière. Ouais, il fait bien sec donc ça va. Je peux presque là, faire le malin. Il fait une sécheresse, ouais, je vais me faire court à la vidéo parce que en fait. Là... Mais en fait, à chaque fois qu'on fait des vidéos, il y a une canicule, c'est dingue. Ouais, hein. Je sais pas, putain, il faisait bon hier, c'était bien hier. Ouais, hier c'était bien. Ça aurait pu être bien hier. Donc ouais, voilà. C'est comme ça. Merci à toi. Les amis, merci. Je vous dis à très vite. À plus. Et bisous. Bisous. On se revoit bientôt pour la Dina. Ouais, vas-y. Bientôt, là, la celle qui est là, qui vient, je viens de péter le collecteur. C'était pas une blague. Merde, arrête. Ouais. Je fais une rupture d'enfoiré. Bah, le collecteur, il m'a dit non. Non, monsieur, faut rester. Faut pas faire de bruit. Donc voilà, ciao les amis. Salut. À plus. Ciao. Merci. Bah, tu vas où là? Barre. Tu vas où là? Quoi? Quoi? Bah, attends. Tu me laisses pas? Tu vas remorquer ma moto, moi, je pars avec lui. Non, mais la rupture là, qu'est-ce que. De merde. Fous dans mon cul ou quoi? Dans ton cul. Mais je chie dans la rupture ou qu'est-ce que. Ah, mais oh! Hé, bâtard. Ah, putain, l'enculé. Bon bah voilà, on va s'emmerder. We'll be right back.